L'agence a cinq grands secteurs qu'elle accompagne pour l'efficacité énergétique. L'industrie, le transport, le bâtiment, l'éclairage public, il est en ville, et tout le concept de l'énergie, l'efficacité énergétique dans les villes, et l'agriculture. Dans tous ces secteurs, il y a de l'efficacité énergétique, par des nouvelles réglementations, par des accompagnements techniques et financiers, par de la sensibilisation et de la formation. Nous voyons aujourd'hui que les réglementations commencent et les décrets commencent à sortir pour les normes, pour les labellisations, pour les ESCO, et c'est très important. L'autre volet, c'est l'accompagnement technique et financier. Il y a de la sensibilisation qui est faite sur les nouvelles technologies. Il faut, dans l'industrie par exemple, mais à accompagner avec la CGEM des tournées régionales pour présenter le concept de l'ISO 50001, certification liée à l'efficacité énergétique, les financements disponibles avec le MORCEF, mais aussi avec toutes les banques locales qui développent aujourd'hui des lignes dédiées à l'efficacité énergétique. Donc pour les industriels, et c'est plus d'1 milliard de dirhams qui a été investi ces dernières années parce que ça montre que lorsqu'on a des outils financiers, lorsqu'on a un modèle économique, oui, ça marche. Donc après, il faut continuer, par exemple par filière, à sensibiliser, montrer les success stories et que les autres fassent la même chose. Donc c'est comme ça qu'on généralisera. Dans l'agriculture, c'est le pompage solaire. C'est une filière qui doit se développer encore plus. On a mis en place avec Crédit Agricole du Maroc des lignes dédiées au pompage solaire, avec Timouil Fellah pour les petits agriculteurs. Aujourd'hui, la banque joue complètement le jeu et c'est pour ça que c'est très important. Et c'est comme ça que nous sommes à près de 28 000 pompes solaires installées dans notre pays, par le privé, avec des financements, parfois avec des fonds propres, mais nous sommes dans un schéma où il faut garantir les services. L'AME travaille avec la profession privée, la MISOL, avec le cluster solaire pour labelliser les installateurs, pour certifier les produits, parce que c'est très important lorsqu'on développe ce type de projet. Ce n'est pas un grand projet que je décide et que je réalise. Ce sont des milliers de petits projets qui sont installés par le privé. Or, tout ça, il faut qu'il y ait un minimum de règles pour que le citoyen, l'agriculteur, la ville aient une confiance dans l'installation, dans les produits qui sont proposés et que sa rentabilité économique soit prouvée. Il faut absolument que tout ça soit mis en place. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes heureux de voir qu'il y a toujours cette vision et la politique d'accompagnement. Nous avons eu la chance d'avoir cette vision en 2009 avec la lettre royale qui a donné priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Il faut continuer par toutes ces actions, ces petites actions dans tous les secteurs. Dans le bâtiment, il y a encore beaucoup à faire. Il y a une réglementation qui est existante, il faut qu'elle soit généralisée, appliquée sur le terrain. Elle est faite aujourd'hui dans le cadre des projets de l'État, parce qu'il faut aussi l'exemplarité de l'État. Et donc, il faut accompagner pour que lorsqu'on a l'acte de bâtir, il y ait un minimum de règles d'isolation et de réglementation thermique du bâtiment qui soient respectées. Nous voyons aussi qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par l'économie d'énergie. Tout le monde fait attention à sa facture, parce que le prix de l'énergie est assez élevé. Donc, il faut accompagner ces investissements, surtout pour ceux qui en ont vraiment besoin. C'est pour ça qu'il y a besoin de lignes dédiées pour ceux qui n'ont pas les capacités de faire les investissements pour accompagner cela. Ça s'est fait avec les banques. Il faut développer encore de nouvelles niches pour les financements, pour les particuliers, pour d'autres filières, pour les bâtiments publics, des possibilités à ce niveau-là. C'est notre principal message. On parle d'environnement, mais on parle aussi d'économie. Et notre pays, c'est une facture de 70 milliards de dirhams cette année. La facture énergétique avait atteint 100 milliards de dirhams quand le baril était à plus de 100 $. Aujourd'hui, on est à 70 milliards. 1%, c'est 700 millions de dirhams. Je l'ai dit et répété. Donc chaque pourcent d'économie, c'est un gain pour le pays, pour la facture énergétique du pays. C'est un gain pour la balance des paiements du pays. Donc tout ça, c'est intéressant. L'autre volet, c'est pour le particulier, pour la ville, pour l'industriel. On l'a bien vu, l'entreprise est plus compétitive quand elle baisse sa facture énergétique. Même si c'est un investissement qui est nécessaire au départ, il y a un temps de retour. Aujourd'hui, il faut y aller. L'efficacité énergétique, les toits solaires, on vient d'en inaugurer encore d'autres, mais c'est parti. Il faut l'accompagner, il faut des lignes de financement, etc. Pour le particulier, un chauffeur de taxi qui change de voiture, la prime à la casse pour les chauffeurs de taxi, c'était très important.
Il passait d'une voiture qui consommait 13 litres au 100 à une voiture qui consomme 7 litres au 100 ou 6 litres au 100. Ce gain, qui c'est qui le fait? C'est lui. C'est lui qui récupère cet argent. Donc c'est pour ça que le message qu'on fait passer, attention, tout le monde est gagnant. Et plus que ça, cet argent réinvesti dans notre économie. C'est pour ça que quand on parle de chaque dirham ou chaque dollar, c'est une norme mondiale, chaque dollar investi dans l'efficacité énergétique, en moyenne, rapporte 4 dollars au pays, par sa facture qui baisse, par la réinjection de montants dans l'économie nationale. Donc il y a des impacts directs, des impacts indirects, des impacts induits. Et c'est ça la force de l'efficacité énergétique. Donc on gagne à tous les niveaux. En plus de baisser la pollution dans les villes, parce qu'on consomme moins, on pollue moins. Donc c'est tout ça qui est mis en place. Donc quand vous voyez les gains globaux, tout le monde est gagnant et c'est pour ça qu'il faut l'encourager. Maintenant, il y a des niches où il faut absolument des accompagnements financiers. Lorsque des pays ont voulu être très volontaires, ils ont mis par exemple des prêts à taux zéro pour n'importe quel citoyen qui veut mieux isoler sa maison ou acheter un chauffe-eau solaire. Il faut des lignes de financement, comme on a eu pour les industriels, pour les particuliers, pour les bâtiments publics. Et c'est ça où il va falloir travailler. En plus, aujourd'hui, nous avons des lignes de financement pour les agriculteurs, nous avons des lignes de financement pour les industriels. Il faut qu'on ait, pour tous les secteurs, des lignes de financement dédiées à l'efficacité énergétique. Fiscalité verte. Nous, on aspire à une fiscalité verte. Qu'est-ce qu'elle dit, la fiscalité verte? Je réduis la fiscalité au minimum pour tout ce qui est efficace, tout ce qui pollue le moins, tout ce qui permet d'économiser l'énergie, l'eau, et je taxe plus ce qui je ne veux pas développer. Aujourd'hui, on voit des produits qui arrivent sur le marché marocain, pas chers, mais qui consomment énormément. Est-ce qu'il ne faut pas les surtaxer? Je pense que oui. C'est une orientation. Si on veut être cohérent dans notre politique pour nos engagements climatiques, pour notre facture énergétique, il faut qu'on oriente les consommateurs. Parce qu'il n'y a pas pire que d'avoir des produits parfois pas chers, mais très énergivores, et on se moque des citoyens en faisant ça, parce qu'on leur vend quelque chose, oui, mais après ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas l'utiliser tout le temps parce que ça leur revient trop cher à la consommation. Donc il faut qu'on soit vigilant à ce sujet, et c'est là le concept de la fiscalité verte. J'accompagne ce qui est vertueux et je surtaxe ce qui ne l'est pas. Bon, si on estime que le milliard de dirhams investis dans l'industrie, et on a le bilan des TEP, tonnes équivalent pétrole réalisées en économie, on a des chiffres. Maintenant, il va falloir monitorer tout ce qui se fait. Et c'est le décret qui vient de sortir qui va le permettre. Tous ceux qui consomment beaucoup seront tenus par la loi à donner l'information, parce qu'il faut récupérer cette information. Or, l'information est privée. La consommation d'énergie de chacun est privée. On a des chiffres globaux. L'intensité énergétique de notre pays, elle évolue dans le bon sens, c'est très bien. Par contre, il faut être vigilant pour pouvoir récupérer cette information. Maintenant, il y a un décret qui va le permettre et on pourra dire, voilà ce qu'il y a eu comme efficacité énergétique cette année, sur tous les projets que nous avons recensés. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir le maximum d'informations, et j'attire l'information à tous ceux qui font des... On a inauguré beaucoup de toits solaires en ce moment dans les industriels, agroalimentaires et autres, sont très intéressés par ça. On a montré des success stories. On va faire un bilan. Quand on parle de 28 000 pompes solaires, c'est aussi un certain nombre de mégawatts d'économie d'énergie. Donc tout ceci, il faut le comptabiliser avec des normes, avec des règles. Et c'est l'esprit de la base de données qui va être mis en place à la mai grâce à ce nouveau décret. C'est très important pour montrer que l'objectif, si on vise 20%, parce que c'est quoi? C'est pas 20% de moins que ce qu'on avait avant. C'est 20% de moins que ce que si on n'avait rien fait. C'est pour ça que l'efficacité énergétique, ça se mesure comme ça. Notre pays, la consommation par habitant est très faible. C'est normal qu'elle augmente. Notre pays se développe, les gens s'équipent,
et les entreprises se développent, donc il y a une forte, plus forte consommation, c'est normal. Maintenant, par habitant, il y a un accompagnement à faire pour qu'on se développe d'une façon efficace et qu'on ne gaspille plus. Donc on peut réduire cette croissance d'un certain nombre de points. Et c'est ça que nous visons. Et je pense qu'avec cette politique, avec le prix de l'énergie, parce que quand, tant qu'il y a de l'énergie subventionnée, il restera toujours du gaspillage quelque part. C'est par l'arrêt de la subvention, à condition d'accompagner, surtout ceux qui en ont vraiment besoin, que nous arrivons. Donc il faut cibler les accompagnements et ne pas ouvrir à tout le monde, parce qu'on a vu les dérapages quand il y a une subvention, même les plus riches en profitent, et ça, ça n'a pas de sens. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.